Et voici l'actualité de la semaine, une actu préparée par Marc Meunier, Guillaume Le Pennec et Eric Ramarosson. Blaster Master de Sunsoft sort sur NES. À bord de votre mini-tank high-tech, vous affrontez les pires créatures des égouts de New York, et si les choses tournent mal, il vous faudra continuer à pied. Les décors sont honnêtes pour une NES, et les personnages sont de grande taille, une note de 14 sur 20 pour les graphismes. L'écran défile dans toutes les directions, c'est ce qu'on appelle un scrolling multidirectionnel, et le héros se déplace avec fluidité, une animation de qualité pour une note de 16 sur 20. Les musiques sont correctes sans plus. Allez, rien d'extraordinaire, la bande-son est notée 13 sur 20. Votre tank peut tirer en l'air et le personnage est suffisamment maniable pour réussir quelques exploits étonnants, 15 sur 20 pour la jouabilité. Une note finale de 15 sur 20 pour Blaster Master, c'est un bon jeu d'action qui a l'avantage de proposer deux phases de jeu dissociées. En résumé, les notes, 14 sur 20 en graphisme, 16 sur 20 pour l'animation, 13 sur 20 en son, 15 sur 20 en jouabilité et une note globale de 15 sur 20.